Coucou Tisha. Ça va, et toi? Alors, on va en bouffer du stricto fred ce soir. Coucou ma chère Koala, comment ça va bien? Bon, le premier, je vous préviens, je vais l'expédier rapido. Hein? Je vais expédier le premier Street of Rage le plus vite possible. Parce que les deux autres, bah, je les maîtrise pas super bien. Et ils sont beaucoup plus durs. Donc j'allais le plus vite possible sur le premier, donc je vais la jouer. Oh Malobide, on est deux. Copine de mal de bide. On va éviter de faire des câlins, c'est pas agréable les câlins quand on a mal au bide. Donc je disais, là on va faire vite, on va la faire façon speedrun. Hein. Est-ce que je mets un chrono pour ça? Non, j'ai un peu la flemme. Mais on va la faire en easy. En. À vue de pif, une petite demi-heure. Une grosse demi-heure. Une grosse demi-heure, histoire d'attaquer la vraie partie intéressante qui sont ceux que je vous montre pas toutes les semaines. Hein. Donc là, on joue avec Axel. Pourquoi? Parce qu'Axel, c'est le bourrin. Ça va pas trop lentement et ça tape. Et donc. Merde, putain! Je commence à faire n'importe quoi! Ok, c'est raté pour le speedrun, hein, ça va être lent. Là, je viens de perdre une minute. Coucou, Grand Shepard! Alors, je lirai ton message à la fin du niveau. Parce que là, c'est du speedrun, faut aller vite. Merde, c'est pas ça. Là, je me suis fait niquer. Là, je me suis auto-niqué. Faut que je récupère un couteau. Merde. Putain. On sent que je maîtrise pas ce perso. Voilà. L'élevage intensif de Pokémon, c'est bien aussi. Donc j'arrive, j'arrive. Coucou Seiko, comment ça va? Merde. Putain, je foire totalement mes strats. Coucou Tortal, comment ça va? Ici ça va. Alors.
Hop. Ah, quelqu'un qui a voulu te raquer un jeu sur Twitch. Les gens ne reculent devant rien. Je vais apprendre par sécurité. Raté. Ouais, mais ouais, j'aimerais bien pouvoir jouer. Enfin, je le dis à chaque fois qu'il y a un Pokémon qui sort. Il y en a qu'un qui est mort. Là, ils sont tous morts. Il y en a un autre qui est apparu, il est mort. Ah ouais, non, le gars, pas gêné. Ah, tu me files ton mot de passe et ton email que je te règle tes jeux. Comme ça. Normal. Putain, raté. Les gens sont merveilleux. Putain, merde. Enfin, normalement, il le fait pas comme ça. Hein. J'ai du mal à me placer. Et voilà. Non mais les gens quoi. Ah salut, tu me files de quoi te piquer ton compte. Va te pendre. Juste va te pendre mec. Bon, comme vous pouvez voir pour les habitués, là je suis avec Axel, je vais pas safe. Mais pas safe du tout. Déjà Axel c'est pas safe comme perso. Mais parce que le but c'est d'aller vite. Putain, je l'ai raté. Ouais, c'est... Ouais, tu peux lui faire confiance, oui, mon cul. Putain. J'arrête d'appuyer trop tard. Là, on va prendre le poulet. Tu peux même lui filer ton numéro de compte, hein. Il n'y aura pas de problème, il va pas du tout t'enfler. Putain, merde, sauter trop tard. Je connais vraiment pas assez... Je connais vraiment pas assez le jeu. C'est vraiment une catégorie à part, le speedrun. Ça se comprend en même temps, c'est un jeu de course. Putain merde, sauter trop tôt. Je
Merde, trop tard. Pas trop tôt. Voilà, c'est bon. C'est passé, hein. Bah, un peu pareil, hein. Wipeout, Destruction Derby, Mario Kart. N'oublions pas Mario Kart, c'est quand même cool Mario Kart. Non, même Destruction Derby, t'oublies, mais Wipeout et Mario Kart pour moi seulement. Je me limite au classique. Ouais, on dirait pas, mais putain, déjà 100 followers, hein. Faut bien que je fasse quelque chose. Je suis un grand fan, puis j'adore le concept. Je suis un grand fan de la saga, mais je veux pas acheter le jeu, quoi. Ah, F-Zero, non, pas trop. Enfin, j'y ai jamais joué, mais. Ouais, c'est vrai, c'est un jeu où tu t'amuses entre potes. Ça a plus ce côté-là. Merde. Arrêtez de faire la conne. Et ça a pas marché. Et ça oui. Alors, je sais pas s'il y a un jongleur qui se ramène dans ce mode de difficulté, non. Je vais prendre la vie au cas où, hein. Je pense pas en avoir besoin, mais. Même pas de karatéka dans ce mode. Y'en a un qui est pas mort, hein. Ah, ça va quand même plus vite qu'en Hardust, hein. Ah, trop tôt. Putain, merde, j'ai raté mon coup. Mais oui, Tortal, t'es un vieux con aigri, c'est ça, on va te croire. Putain, merde, je me suis fait troller. Et donc là, le deuxième troll qui va avec, hein. Voilà. Bon, j'ai perdu une vie bêtement, mais c'est pas très grave. Si je savais vraiment jouer, j'aurais pas perdu de vie. Hop. Ah bah ça, c'est le problème avec les consoles. Quoi que tu me diras, tu pourrais jouer sur Internet. Tu peux trouver des gens avec qui jouer sur Internet, sur le nouveau Mario Kart. Voilà, c'est totalement chaotique. Oh
En réalité, il y avait encore plus de risques en fait. Putain, mais Axel, t'as vraiment une portée de chiottes. Achète-toi de la longe et reviens. Ce perso de la portée négative, quoi. Voilà, on va foncer vers la vie. Mais il est d'une lenteur ce perso. Mais pour tout, hein. Coucou Cyril, ouais ça va. Ça va et toi? Alors cette fois on l'a fait bien. Et voilà. Donc comme je dis, là le premier, le but c'est quand même de le torcher rapidement. Il y en a que deux ici. Putain. Sérieux. L'accès est tellement long. Ah, pour apprendre ça pour le plaisir, ça ne sert à rien. Ah, pas suffisant. Je connais pas les points de vie en cette difficulté, c'est chiant. Alors, c'est l'heure de se faire le boss. Elles sont beaucoup moins agressives. Putain, merde. J'ai oublié qu'il était d'une lenteur apocalyptique. Merde. J'ai raté ma back attack. Bah de rien. Oh.
Bon. Putain, fuck, je me suis fait... Allez... je t'aiderais bien, mais je n'ai même pas les... je n'ai même pas les jeux de la dernière génération. Non mais je pense que Tortel cherche des vraies ressources stratégiques en fait. J'aime pas laisser traîner des trucs. Merde. Tu commences à me gonfler, le mob. Voilà. Et merde! Merde, je l'ai pris. Allez. Oh, si, tu peux. Merde. J'ai raté, c'est pas ça que je voulais faire, tant pis. Tellement chiant. Tellement chiant ces ennemis. Hé,
Allez, c'est parti pour le boss. Normalement, c'est la joie placée. Putain, trop bas. Merde. Chier. Hop. Des Pokémon, je sais même pas ce que c'est dans ce que t'as, Tortal. Merde, c'est vrai qu'il lance à une distance de merde, lui. Bonne app, Tortal! Voilà, distance de projection toute pourrie pour Axel. Hein. Et ça, c'est un peu gênant pour ce niveau. Pour faire ce niveau vite, c'est gênant. Hein. Il faut de la distance de frappe. Et voilà. Ah, on sent que c'est pas mon perso, hein. On sent que c'est pas Blaise. Ouais, je pense qu'il va y avoir une perte de vie ici. Pas très grave en soi. Hein. Voilà. Oh merde. Ah ouais, c'était prévisible. Et voilà. Chapignon, Pokémon que j'ai totalement oublié son existence. Lagron aussi. Hermure, ça je m'en souvenais. Et Alakazam aussi. Mais voilà. Les Pokémon de la 3G, je les connais très très mal. Très très peu. Merde.
Je me suis pas trompé, les deux sont morts. En effet, je ne m'étais point trompé. Merci. Ah, c'est chier. Ah, je pensais que c'était bon. Voilà. Ah, il me manquait deux enchaînements. Je pensais qu'il avait moins de vie. J'en ai marre. Bon, j'ai avancé. Alors, boss numéro 2. Voilà. Du poulet, c'est bon le poulet. Putain. Sérieux. Donc, oui, bah oui, les ouvriers sont des Pokémon, c'est bien connu, c'est comme les bodybuilders. Voilà, c'est un peu ça. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle, le couteau qui est là. Voilà, j'ai réussi. Mais en fait, plus t'es une pro-playeuse de Pokémon.
Ouais, le pire, c'est qu'il est utilisé en tournoi, ce Pokémon, je crois. Ah, magnifique glitch. Et merde. Et voilà. Voilà, Tisha, tu fais comme Nina. Donc vous vous entendez sur le Pokémon qui pue, du coup. Alors il me semble que stratégiquement, il a vraiment un avantage. Bah, d'ailleurs, Koala nous dit qu'il est assez fort. Moi, c'est justement par rapport stratégiquement que je voulais qu'il ne soit pas GG. Ouais, mais c'est parce qu'on n'est pas des pro-playeuses. Ouais. Ah, c'est vrai que je suis pas non plus. Il y en a un qui est mort. Hein. Hop, faut aller tuer le deuxième vague, allez. Et Mister X. Merde. En même temps, le coup sauté d'Axel, quoi. Voilà, l'attaque sautée d'Axel, c'est du caca. Voilà, le jeu est fini. Ça y est, c'est fait. Ah non, mais le Moonja, il est classe. C'est dommage qu'il soit aussi faible. C'est vraiment dommage qu'il soit aussi tuable, quoi. Parce que Moonja, il est bien, mais il est faible. Donc, alors... Waouh, s'en fout de mettre le high score pour ça, hein. C'est du. C'est une run pour le fun. Ouais, voilà, c'est un peu ça le problème, c'est que Moonja, tu lui fais pipi dessus et il est mort, hein. Et c'est très facile de lui faire pipi dessus. C'est ça qui est gênant. Ah, j'ai mis plus longtemps que la dernière fois, je suis pas en grande forme, je crois que j'ai dû mettre 40 minutes. Bon, 40 minutes, c'est en comptant tout le temps. Ah non! Je suis dans les temps, j'ai mis une grosse demi-heure. Ah là là, les relous. Ah ouais, ouais, non mais là ça aurait été pété, hein. C'est même tu passes son talent à un Levenard, ma chère Koala. Visualise le Levenard avec le talent de Moonjack.
Voilà, je l'anticipe un petit peu, mais... Comme ça, c'est fait. Bon, c'était un score tout pourri, mais c'était normal. Et donc, maintenant que nous venons de poutrer sa tronche à Mister X et que les rues de la ville sont plus sûres, seulement un an après la bataille qui a totalement tout détruit, la ville a été calme et paisible pendant un an. Mais Mister X est de retour dans les ombres pour prendre le contrôle de la ville. Tout le monde l'a cru mort, mais il est de retour et il a kidnappé Adam. Adam, le perso que personne ne joue, hein. Faut être clair, personne ne joue Adam. Et donc, du coup, nos amis Axel Blaze, accompagnés de Skate, le jeune frère d'Adam, ouais, ils emmènent un gosse pour taper la, pour tataner la pègre, hein, et de Max, un ancien flic devenu catcheur, sont réunis pour aller tataner la tronche au syndicat, encore une fois. Donc voilà, donc on va jouer en normal, hein. Déjà en normal, il y a du challenge. Je vous préviens, déjà en normal, je suis pas sûr d'arriver au bout. Tout le monde est d'accord avec ça? On se le dit, hein. C'est pas sûr que je puisse finir Street of Rage 2 ce soir. Et donc voilà, Max, le gros costaud, Axel, Blaze, Adam. Le gosse de 16 ans qui fait du roller, qui va tataner la pègre, tout va bien. Tout est gentil. Ah mais faut jamais filer tes mots de passe à personne, Crumb Shepard, c'est la base de la sécurité. Et donc... Là j'aurais tendance à dire Axel, parce que... Autant Blaze, elle était super OP dans le premier. Autant là, c'est Axel qui devient OP. Ah, lui, il est beaucoup trop lent. J'aime pas les persos lents. Donc, Axel. Avec les musiques de l'infini. Là, comme vous voyez, hein. Les graphismes sont déjà beaucoup plus détaillés, hein. Les sprites plus gros, le jeu plus beau. Et surtout, maintenant, le lancer de couteau, c'est plus aléatoire. Ça remplace la back attack quand on a une arme. Et ça marche avec toutes les armes. Puis là, cet ennemi qui saute de l'égout, quoi. Ah oui, pareil. Nouvelle attaque, hein. Par contre, il a encore plus une allonge de bras. Mais c'est moins gênant.
Merde, là c'est vrai qu'il fallait pas que je laisse le recovery. Alors déjà beaucoup plus abouti, hein. Plus de moveset. La barre de vie des ennemis avec leur jolie photo d'identité. Parce que n'oublions pas, nous sommes des ex-flics. Nous pouvons faire un contrôle d'identité en même temps qu'on tatane les gens, hein. Ça fait partie de la base. Des défilements verticaux aussi, enfin, plein de nouveautés. Par contre, un peu moins de d'abus possible. Les ennemis ont aussi plus de techniques. Allez, c'est pris qu'un seul des coups de pied. Toujours prendre les sous, hein. On a toujours besoin de sous. Retortale. Ah merde, j'ai merdé. Mais c'est vachement plus compliqué d'enchaîner le combo comme ça. Ça demande beaucoup plus de technique de maintenir le combo à l'infini que sur le premier. Un timing beaucoup plus précis. Ah, c'est... Les boss sont aussi plus compliqués à appréhender. Merde, j'ai raté mon... Les Pokémon, c'est l'amour, je suis d'accord. Ma pupus, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Je crois qu'il va falloir qu'on cède à un moment, hein. On va pas tenir éternellement. Donc, là, faire le lancer de couteau, mais non, c'est gratuit. Le mec est pas mort.
Merde. Donc maintenant on ramasse les armes contrairement au premier. Parce que maintenant on peut toutes les lancer. Ah, les spectres, ils sont classe surtout. Et merde! Ce que j'essayais d'éviter. Ah, c'est plus compliqué les ennemis en moto. Putain, ouais, c'est... Merde. Ah oui, c'est vrai que maintenant on peut plus libérer des shops. Maintenant... Ah, joli quoi là! Donc oui, ce que j'allais dire, c'est que... Je vais sûrement faire criser pas mal de monde. Mais pour moi, le plus abouti des Strict of Rage, ça reste quand même le 3. Alors, ce boss, je l'aime pas. En même temps qu'il aime ce boss. Franchement, trouvez-moi quelqu'un qui aime ce boss. Quasiment impossible à choper. Il fait quoi, là? Je trouve ce boss super chiant. J'ai toujours trouvé super chiant.
Allez, je crois qu'il est presque mort en plus. Putain, sérieux. Et le temps qui passe. Et il joue le temps. Ça devrait être interdit de jouer au temps. Trousselin, c'est quoi ça, Trousselin? C'est même pas une question de la ligne, c'est une question de... Il est super chiant parce que tu peux pas l'enchaîner. Enfin, je sais pas comment on l'enchaîne, en fait. Je suis sûr qu'il y a un moyen pour l'enchaîner et lui retourner sa grand-mère, mais... Je ne sais pas comment qu'on fait. Merde. Ouais, au Closet Shop. Au Closet Shop, je l'ai fait une fois parce que j'avais oublié et j'ai eu mal. Et n'empêche que ça fait plaisir de faire du Strict of Rage. Ouais, c'était pas encore là. Recrunch. Putain, merde. Mais les ennemis aussi ont des coups spéciaux. Sauf que mes coups spéciaux bouffent de la vie et pas ceux des ennemis. Ça, c'est le gros problème, c'est dans celui-là, les coups spéciaux me coûtent de la vie. C'est vrai que t'as pas envie de trop les faire, que t'as surtout pas envie de les rater. Alors de mémoire, c'est la seule vie du jeu. Il faut la mériter pour aller la chercher, hein.
Ah là là, on va finir par craquer, puce. Bon, on sait ce qu'on se prend pour Noyel? Non? Ouais. Donc, ouais, là, ça devient. Parce que pareil, hein, c'est pas parce que c'est un putain de coup spécial que c'est pas comparable. Putain, merde, je croyais que c'était moi qui le faisais. Merde. Alors, c'est à partir du 3 aussi où commence à y avoir des raccourcis. Mais on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore là. Je digresse. Ah non, non, c'est pas la seule vie du jeu. C'est la seule vie où, dont on voit la skin. Et ce niveau est aussi assez horrible. Hein. Ouais, mais là c'est pas le boss pour l'instant, c'est le mid-boss. Il est aussi chiant. Hein. Il faut péter ça. Ah, je suis pas... Non, c'est pas ça que je vais faire. Ah, c'était... Putain, il est chiant ce boss! Il est d'un chiant! Et c'est la mort. Comme je disais, les vies elles partent très vite. Ça part terriblement vite, on est qu'au niveau 3 et la difficulté est déjà là. Hein. Là cet ennemi il est chiant. Il est chiant comme la lune, surtout qu'il a un katana. Putain. Les contrôles c'est aussi un peu plus lent. Ça va te souvenir de ses patterns à lui.
Mais il faut pas sauter n'importe quand. Et une vie. Et encore, là, il se passe beaucoup mieux que dans mes souvenirs, hein. Ouais, mais son tour, il permet aussi de faire la récup d'ultra laser et compagnie. Merde. Pareil, autre différence notable, pour échapper à une projection, c'est plus au moment où on se fait projeter qu'il faut faire le contre, mais au moment où on atterrit. Ça change beaucoup de choses. Et voilà! Alors pareil, il y a un petit régène à la transition d'écran, mais on perd son arme. Et vu que c'est le premier où les armes sont utiles... Et les armes deviennent vraiment craquer à partir du troisième. Putain, ne pas oublier, c'est pas le même timing. Des niveaux quoi. Et là par contre je n'ai plus accès au spécial, par contre il me semble qu'il y a un régène pas loin. Tu m'en veux pas, je suis en train de tabasser ton petit frère. Encore ? Hein ? Encore ? Ah ouais. Mmh.
Merde. C'est dangereux, hein. Alors, les Big Ben, c'est les ennemis qui remplacent le boss du troisième niveau. Du quatrième niveau. Ils sont chiants. Putain, on va bientôt avoir un des boss les plus chiants de l'univers. La fameuse phase en ascenseur, hein, une obligation légale dans tous les beat'em all. Et merde, il m'a contré, le con. Et là, il m'a tué. Allez, viens, elles descendent, hein. Toujours un. Ils ont rendu compte que beaucoup de joueurs débutants jouent en aérien, donc là ils ont fait. En sorte que tu puisses plus faire que du coup de pied sauté partout. Par contre, coincé dans les coins, c'est parfait, hein. C'est des Pokémon qui n'ont pas la même couleur que les autres. Voilà, je vous présente le boss qui fait chier. Voilà. Il fait mal, il fait chier. Ça c'est le problème. Putain, il fait tellement mal. Je vais enfin enlever sa première barre de vie, hein. Ouais, je préfère Shiny. Oh putain, la baffe pour te tuer, t'sais. Aucun respect, ce boss. Putain, merde, il m'a eu. Putain, merde, saleté. Presque mort, mais moi aussi. Fini au grand coup de pied dans sa tronche. Non, ils avaient des stats fixes dans rouge et dans or et argent. Mais maintenant c'est plus le cas.
Pareil, le conventionnel niveau du bateau, hein, ça aussi c'est obligatoire, c'est dans le contrat. On vous a dit, si on vous fait à Beat'em All, font un bateau. Je vais tellement mourir à ce niveau. Non, maintenant les chenilles sont même pas plus forts. Ils ne le sont plus. Mais même là, ils n'étaient pas forcément les plus forts. C'est simplement que tu savais quels étaient leurs IV. Enfin, leurs EV. Alors, les spéciales, ça fait mal, mais ça me fait mal à moi aussi, hein. C'est un micro poil de vie, quoi. Et puis là, les kickboxers, ils sont chiants à tuer. Bon, ça, j'essaie de m'en occuper avant de faire pop d'autres ennemis. Les Pokémon Tortues, c'est cool, je suis d'accord. Lui, il fait mal. Et voilà. Dernière vie perdue, on est sur le continu. Putain, merde. Oh, sérieux, c'est tellement relou. Notez que là, les devs, ils savent que c'est relou parce qu'ils lui ont mis une toute petite barre de vie.
Ils ont mis une barre de vie miniature, mais il m'a tellement démonté l'anus celui-là. C'est vrai qu'on peut plus se libérer. Tellement mourir. Voilà, c'est... Ils ont tellement des attaques où ils sont invincibles, quoi. Sérieux. Les jetpacks c'est pété surtout. Oh putain, pas ce boss. Alors ce boss là je le hais. Je vous disais que j'étais pas sûr de finir ce Strict of Rage, c'est ça. Alors moi, le bon côté, c'est que t'as plus les minions qui pop à l'infini. Si, t'as encore les minions qui pop à l'infini. Voilà, c'est... Mais tu te fais tellement retourner. Et en plus, il t'attaque en diagonale, c'est totalement dégueulasse. Ah, ça c'était con, pas pour relâcher le Pokémon. Bon, ah, putain, de vie, c'est pas trop, c'est pas cher payé. Hein. C'est tellement violent ce niveau. Oh putain, le niveau de la plage, je l'aime pas non plus. Oui, notez qu'à ce niveau-là, que dans celui-là, on peut toujours pas courir. Hein. Il y a un coup spécial en faisant double avant, enfin double direction et taper.
Mais on peut toujours pas courir, et ça c'est chiant. Parce que pour savoir si on a correctement fait le double avant, du coup on a aucun feedback pour ça. Putain. Alors j'aimerais entendre les cris plus tôt. Ok. Déjà, là, être dans la descente, c'est vraiment pas cool en fait. Sinon je peux plus le péter le truc. Ah fuck. Oh putain, le décès. Ok, salut. Oui, alors là, tous les mecs en moto que j'ai pas tués à leur passage viennent m'attaquer. Et le décès, hein, le fouet électrique, ça ne pardonne pas. Et c'est tellement tuant. Alors là, attention, hein. Vous vous souvenez des deux boss chiants? Je mets la pause. Vous vous souvenez des deux boss chiants, là? Celui qui vole et l'espèce de Bianca au rabais. Vous vous en souvenez? Un, c'est chiant. Deux. Voilà. Voilà, là, c'est les deux en même temps, hein. Parce que 1 c'était pas assez, hein. Ah, totalement.
Et le décès. Donc là, c'est le game over. Hein. C'est le game over. Clair, net, précis, sans bavure, game over. Hein. Alors, je vais faire un vote. Ah bah bien sûr que non, il n'y a pas les continues limitées, Tortal. T'as vu mais quoi, il y en a que 3. Attends. Les continues limitées. Alors j'attends vos votes, hein. Si je regarde l'heure, il est déjà 22h mine de rien. On a passé une heure sur celui-là pour mourir là. Je précise. Bon, en fait, la difficulté, quand je dis qu'ils sont plus durs que l'un, les difficultés sont pas vraiment comparables non plus. Parce que les gameplays sont tellement différents. En tenant compte du nombre de personnes sur ce chat, je pense qu'on peut avoir les résultats. Ok, on va passer au vote, on va passer au 3 du coup. Hein. On va passer au 3, pas de problème, pas de soucis, tout va bien. J'avais dit qu'on verrait sûrement pas à la fin du 2 de toute façon. Hein. Alors là, par contre, donc là, le Mister X a enlevé le maire de la ville et menace de tout faire péter. Pourquoi? Parce qu'il est méchant. Ah, c'est clair, net, précis, il est méchant. Il n'y a pas autre chose derrière, hein, c'est juste qu'il est méchant. Alors celui-là est beaucoup plus abouti en termes de... pas mal de trucs, par contre il est aussi beaucoup plus dur. Ah, plus d'options de jeu, plus de difficultés, c'est... ça semble legit. Voilà. Donc alors, je me pose la question sur est-ce que je mets des vies supplémentaires, mais j'ai pas envie. J'ai envie quand même de jouer legit. De jouer le plus legit possible à ces jeux que j'adore. Donc là, juste vous voyez, maintenant de base on peut choisir le nombre de vies. Hein. Donc moi j'ai dit on va jouer petit, on va faire 5 vies de base.
5 vies par continu, ça me semble bien. Je reste en normal, parce que je suis une grande malade. Méchant, très méchant. Hein, c'est dans le trou, il y a le kangourou débloquable, en effet. Est-ce que tu veux que je le débloque? Mais je ne jouerai pas avec, mais je peux vous le débloquer, oui. Il faut juste... un petit reset. Du coup... C'est très simple à débloquer le kangourou, hein. Voilà. Non, il est mauvais. Il est pas intéressant comme perso. Voilà, il est là. Vous voyez, on a bien un kangourou. Tout est legit, il y a un kangourou, tout va bien. Alors on a un robot, hein, on a un putain de cyborg moustachu. Qui a le swag, hein. Là, vous le voyez, il est torse nu, c'est son torse, c'est un torse de cyborg. Donc on a troqué notre magnifique catcheur non mexicain contre un vieux robot moustachu. Avec quand même, on note, hein. On note que je vais vous montrer. Voilà. On note ici qu'il a quand même des chaussures roller, hein. Il a des pieds roller, le robot moustachu. C'est important pour le swag. Non, non, c'est un code à faire avant le jeu. Par contre, la manip que je ferai, c'est pour débloquer Shiva après le premier continu, ce qui va nous simplifier la vie pour finir le jeu. Alors, on a Skate, hein. Parce que son grand frère, il est plus enlevé par Mister X, mais bon... Il aime bien en découdre en roller, donc il reste là. Ça m'aurait semblé plus logique de garder le catcher et puis avoir Skate, mais bon... On a toujours Blaze. Il a quand même des stats meilleurs que Skate qui n'était pas le cas avant. Et on a Axel qui est quand même un des meilleurs persos de l'univers. Surtout que maintenant, notez la case Power. Hein, maintenant, c'est le perso le plus puissant qu'on peut avoir du début. Hein. Alors, il est toujours lent, mais il est puissant. Et il n'a pas la même allonge qu'avant. Hein. Donc là, pareil, on va faire Axel. Alors, sauf qu'on va tenter de le faire avec Super Axel. Ah, c'est... Plus la même nervosité, hein. Là, on a un jeu beaucoup plus rapide, beaucoup plus agressif qu'avant. Ça récompense beaucoup plus, hein. En même temps, j'ai pas tout à fait Axel. Si je me suis pas trompé dans la manip que j'ai faite, j'ai Axel le robot. Et je dévoile un point de l'intrigue. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez voir une petite barre bleue qui monte. Maintenant, ça, c'est la jauge de super. Ouais, ça, c'est chiant. Et là, vous voyez aussi que les charges intègrent les battes, hein, intègrent certaines armes.
en fonction des persos. Pour Blaise, par exemple, c'est le couteau. Blaise, son arme, c'est le couteau. Ah oui, pareil. Ce jeu est compatible manette 6 boutons. Et on peut faire des super super. En fait, on peut commander des attaques de charge. Ah ouais, non, là. Non, là, il a fait de la muscu maintenant, Axel, hein. C'est plus le dragalé que t'avais avant, c'est plus le blondiné de merde, hein. Maintenant, c'est une putain de brutasse. Donc, c'est là qu'on va voir si j'ai Super Axel ou pas. Je n'ai pas Super Axel. Donc là, c'est bien le vrai Axel de base, hein. Beaucoup plus agréable, hein. Beaucoup plus agréable à jouer que le 2, je trouve. La plupart des gens disent qu'ils préfèrent le 2. Mais moi, franchement, mon préféré, c'est le 3. Il n'y a pas à tortiller du tout. Pareil, le truc, c'est... Il y a les dashs en vertical, maintenant. Compliqué pour viser les motos, je vous jure. Ah, et puis maintenant, il parle breton en plus. Ok, bonne nuit Tortel. Dors bien. À demain. Merde, je me suis raté. C'était quoi cette réponse? J'ai pas suivi l'histoire. Donc on va vous je vais vous présenter le boss, hein. Pas encore l'heure du boss. Ça fait super mal, hein. Putain, lui aussi il fait mal. Ah non. Là, en fait, si j'avais été dans la version japonaise, on aurait eu droit à H. Mais c'est vrai que là, il a été censuré, donc on n'a pas eu droit à H.
Merde. Mauvaise idée. Petit chat dans la poubelle, regardez. Enfin, trop tard, il est rentré, hein. Et ok, attendez, je vérifie un truc. Alors. Ceci est un aventure. Ceci est un avant-goût du last boss, hein. Signalons-le, hein, je suis en normal. Je suis en normal, hein. Et c'est le premier vrai boss du jeu. Voilà, faut que je fasse gaffe. Oh putain! J'ai oublié qu'il faisait ça. Alors, faut que je fasse... Non, ça. C'est... Ah, il est violent, hein, le boss. Une grenade, hein. Et les musiques toujours magnifiques. Bouge pour toi. Déjà? Même pas, il y a même pas 23 heures. Ouais, je suis demain. Bah oui, moi aussi. Enfin, moi aussi, je me lève tôt demain. Ouais, mais toi, t'as pas trop de pratique pour bonne nuit, plus. Hein? Ouais, moi j'ai pas fini mon stream, quoi. C'est ça qui m'embête un peu. Et du coup, j'avais envie de te rejoindre. La musique beaucoup plus agressive. Donc là on arrive sur roue, hein. Seul ennemi du jeu qu'on n'est pas obligé de tuer d'ailleurs. On n'est pas obligé de tuer le kangourou.
D'ailleurs, si à ce moment-là du jeu, on ne le tue pas, on peut le récupérer. On peut le jouer après avoir perdu un continu si on n'a pas fait le code. Si on n'a pas fait le code après avoir perdu un continu, on peut le choisir si on ne le tue pas à ce moment-là du jeu. Voilà, là par exemple, je n'ai pas tué Roux, donc il se barre, gentiment. On rentre dans la boîte de nuit, et les musiques de jeu. Les musiques de jeu sont quand même géniales. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de musique dans celui-là que dans les autres, je trouve. Pareil, dans celui-là, en jouant dans les difficultés plus avancées, il y a des niveaux cachés après le boss final, hein. Ah oui, Epilepsy Power, totalement. Notez que sur une vraie télé CRT, les moments où il fait noir, il fait vraiment noir. On y voit beaucoup moins qu'ici. Alors là, il y a un poulet, ça sent le boss, hein. Ah, mais c'est pas encore le boss. C'est un fake. Et voilà, et là on arrive sur le boss. Je vous présente donc le vrai nom des swap colors de Blaze, qui sont donc Mona et Lisa. Et qui sont très très dangereuses, hein.
Et là, c'est la mort. Mais il y a encore la vie 0. Avant qu'on continue, il y a encore la vie numéro 0. Mais globalement, elles font mal, hein. Et là, c'est presque la mort, c'est presque le continu qui tombe. C'est le continu qui tombe. Et donc, comme c'est le continu qui tombe, je suis désolé, mais on va...